C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour, dit-on. Mais moi, je sais que dès la nuit venue, elles s'en vont danser sur le gazon. Papa, c'est un jardin extraordinaire. Il y a des oiseaux qui tiennent un buffet. Ils vendent du grain, de petits morceaux de gruyère. Comme clients, ils ont monsieur le maire et le sous-préfet. Il fallait bien trouver dans cette grande ville maussade où les touristes s'ennuient au fond de leurs autocars. Il fallait bien trouver un lieu pour la promenade. J'avoue que ce samedi-là, je suis entré par hasard dans ce jardin extraordinaire. Loin des noirs buildings et des passages cloutés, il y avait un bal que donnaient des primevères. Dans un coin de verdure, des petites grenouilles chantaient une chanson pour saluer la lune.